On peut la refaire, c'était bien, mais à la fin, tu fais un vrai sourire. Voilà, un sourire comme ça. Bonjour, je suis Boris Ancel, je suis diabétologue et nutritionniste. Je suis donc médecin et également professeur de nutrition à Université Paris-Cité. Mon métier est double. D'une part, je suis enseignant-chercheur, ça c'est mon activité universitaire. Et d'autre part, je m'occupe de malades. Je suis médecin à l'hôpital et je gère un service de nutrition. Alors concrètement, s'occuper de patients, ça, tout le monde sait ce que c'est qu'un médecin. L'enseignement, on sait aussi ce que c'est qu'un prof, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut au quotidien en réalité. Eh bien, on enseigne à des étudiants de premier cycle, deuxième cycle et également post-universitaire. Pas oublier que l'enseignement aujourd'hui, c'est l'enseignement tout au long de la vie. Et dans mon activité, je dirige 3 diplômes universitaires. Un diplôme de nutrition, francophone international. Un diplôme de santé connectée, également international. Et un diplôme de métaverse en santé. Si vous voulez savoir ce que c'est, c'est simple. On donne toutes les informations sur le site de l'université. Ce qui me donne envie de travailler à l'Université Paris-Cité, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est qu'il y a tous les domaines de la santé, ou presque. Il y a la médecine, mais aussi la pharmacie, les sages-femmes, le métier d'infirmière-infirmier. Peut-être j'en oublie d'ailleurs, il ne faut pas m'en vouloir. Mais bref, quand vous travaillez dans le domaine de la santé, vous pouvez travailler en collaboration avec toutes ces spécialités et c'est important l'interdisciplinarité. Il y a aussi tout ce qui est recherche fondamentale. Donc quand vous faites de la science, qu'on fait de la recherche, si vous avez une collaboration à faire avec des physiciens, avec des chimistes, avec des techniciens, vous allez trouver la personne qu'il vous faut pour une super collaboration. Université Paris-Cité, c'est pas un mot, c'est deux choses. Un, c'est une énorme famille dans laquelle on se sent bien. Et deux, c'est l'innovation. Ce qui me rend heureux au travail, c'est de voir que les autres sont heureux de travailler dans cet environnement hospitalo-universitaire. Il n'y a rien de mieux quand vous allez au boulot le matin de voir des gens souriants, qui ont envie de travailler, qui vous posent des questions, qui veulent avancer, qui vous demandent s'ils peuvent mettre en place des projets. Ça, c'est génial. Alors des projets qui m'animent, il y en a beaucoup à l'université, mais puisqu'on me force à en citer qu'un, je vais citer PUMS. PUMS, ça veut dire pour une meilleure santé. C'est notre chaîne santé universitaire grand public. C'est la seule qui existe dans le monde. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver ailleurs. Et ça, c'est un projet collectif qui fait intervenir le studio vidéo de l'université, qui fait intervenir une cinquantaine d'experts du collège, de PUMS, des enseignants, des chercheurs, des médecins, des paramédicaux, et puis une équipe technique incroyable. Et grâce à tout cela, on produit des vidéos d'information santé. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui que nous, universitaires, on joue ce rôle d'information dans le domaine de la santé, et on a une grande fierté. C'est qu'on a atteint les 200 000 abonnés. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe inestimable et unique dans le monde.